concentration des pouvoirs. La concentration des pouvoirs, qui est le contraire de la République, est ce que nous sommes en train de subir en France. Et au nom de cette concentration des pouvoirs, il voudrait aujourd'hui obliger les Françaises et les Français à servir de cobayes pour une expérience médicale qu'ils veulent en plus faire financer par la sécurité sociale. Alors que si l'on suivait le protocole légal, il faudrait que ce soit les laboratoires pharmaceutiques qui financent les études et les tests de ce nouveau produit et non le contribuable français. En constatant ce que je viens de dire, si nous avions à l'Assemblée nationale des parlementaires dignes de ce nom, ils devraient aussitôt saisir la haute cour au nom de l'article 68 en faisant constater là un manquement, le terme exact c'est le manquement manifeste aux obligations du président de la République. Mais nous avons pu le constater, à part deux députés, les autres ont décidé d'être les larbins du président de la République. Aussi, citoyennes et citoyens, il ne nous reste plus qu'une seule solution, puisque l'Assemblée nationale ne veut pas destituer le tyran. Il faut que ce soit le peuple de France tout entier qui le fasse.